Bonjour, Dorothée Kolski, je suis en dernière année à l'ECME Sudria, en spécialité automatique et électricité. Donc cette année, avec mon groupe de travail, constitué de Marwan El-Saad et Vincent Boison, nous avons travaillé sur un projet de recherche s'intitulant « Commande vectorielle dans le repère du stator d'une machine asynchrone ». Donc le but était de réaliser une commande en couple du moteur asynchrone sans utiliser de capteur de vitesse ou de position. Pour cela, nous avons travaillé 6 mois sur ce projet, du mois de septembre au mois d'avril, et nous avons terminé ce projet par une présentation des résultats obtenus. Par exemple, la commande vectorielle est utilisée aujourd'hui dans l'Eurostar, donc pour la traction électrique, et le but de supprimer le capteur de vitesse ou de position permettrait de réaliser notamment un gain économique et de simplifier la maintenance, par exemple, du moteur du TGV.